monté par un moule bateau avec le RTV silicone résistant sur une figurine en pâte à modeler. Donc on commence tout d'abord par réaliser une petite boîte. La distance entre la pièce et la boîte est d'environ 1 cm. On fait une bonne étanchéité. On a fait la boîte avec du carton plume et on coule le RTV silicone qui a été ici débullé, catalysé avec 5% de catalyseur standard. Pour démouler, eh bien on va couper sur le côté jusqu'à ce qu'on puisse extraire la pièce. Ensuite, pour le tirage, on a utilisé de la résine polyuréthane réactive. Pour éviter le bullage, on commence par couler dans les endroits où il peut y avoir des bulles. Et puis, une fois que c'est pris, on coule le reste de la résine, puisque la résine polyuréthane réactive reprend très bien sur elle-même. Voici la pièce originale ainsi que les copies. Une avait été teintée.